de... Make me work, make me sweat inside, make me feel like I'm alive. Take this hurt, lady, throw it in my face, don't let these bones slow you down. Salut les bandits, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire un petit peu de peinture. Voilà, vous savez que l'actualité, on est bloqué ici. On peut juste sortir pour faire les courses, tout ça. Normal, un peu comme vous, hein, si vous êtes bloqué à la maison aussi. Vous savez ce qu'on doit faire. Donc, heureusement que j'avais commandé un petit peu sans faire exprès. Hein, j'avais commandé pas mal de matériel. Donc, ça va me permettre de pouvoir travailler peut-être une semaine et demie, deux semaines. Allez savoir, on verra. Hein. Ensuite, on ne sait pas ce qui va se passer. Déjà dans un premier temps ça va être peinture, donc je mets une peinture blanche satinée, facile à nettoyer, je vais mettre deux couches et après je pourrai poser mon cadre de fenêtre. Ici j'ai reçu ma nouvelle fenêtre, je peux la poser aussi. Normalement on a les cuves qui arrivent tout à l'heure, on verra si elles arrivent, vous allez voir ça en live avec nous. Et si j'ai mes cuves d'eau qui arrivent, je vais être occupé pendant un bon moment parce qu'il faut que je me fabrique mon estrade. Donc j'ai déjà quasiment tout ce qu'il faut. J'ai le bois, j'ai les tasseaux, j'ai les vis, j'ai la colle. Normalement, ça devrait le faire. Une fois que j'ai fabriqué mon estrade, il faudra venir intégrer les réserves d'eau en dessous. Je peux fabriquer mon petit coffre pour le gaz et commencer à mettre mon support pour la pompe à eau parce que normalement, j'ai reçu la pompe à eau aussi. J'ai mon multicouche, j'ai quelques raccords. Je vais peut-être réussir à me dépatouiller comme ça. Sinon, je les commanderai sur Internet et puis ils arriveront 3 jours après si les sites internet fonctionnent toujours, les livraisons fonctionnent toujours, on fera ça pour se dépanner. Donc là on va attaquer la peinture, donc le déshumidificateur il a super bien fonctionné. Mon réservoir il est plein. Mon réservoir il est plein d'eau. Et là j'ai environ un litre, hein, donc vous voyez en une nuit ça m'a enlevé un litre. Ça y est, voilà, c'est peint, ça va super vite hein, quand c'est un petit espace comme ça, c'est nickel. Plafond, les côtés, tout est fait, j'ai mis une première couche, donc j'en mettrai une deuxième demain, je pense. Et normalement, c'est bon, on reçoit nos cuves d'eau, les livraisons, ça n'a rien changé pour l'instant. Donc on va recevoir ça cet après-midi, donc ça va me permettre de vraiment bien avancer dans la semaine, et ça c'est cool. Et j'ai réfléchi pour l'escalier aussi. Le problème, c'est que je compte faire deux gros coffres identiques de chaque côté. Voilà, droite-gauche. Devant et derrière la roue, je vais faire deux petits coffres aussi, vous savez, comme ça, avec un petit un angle assez vif pour l'angle de fuite au niveau de l'arrière. Et le problème, c'est que si je mettais mon échelle qui se coulissait comme ça sous le châssis, déjà il fallait que je la raccourcisse de 6 cm. Et si je la mets comme ça, qu'elle coulisse sur toute la, sur une bonne partie de la caisse, le problème, c'est que mes coffres, j'ai pas de pattes de fixation, j'ai que des pattes de fixation ici. Et là où ça coulisse, je pourrais pas faire des pattes de fixation ici pour bien soutenir les coffres parce qu'il y aura quand même un peu de poids dedans. Donc c'est galère et tout. Puis tout à l'heure, je regardais. Et en fait, ici, j'ai deux grosses traverses principales, voyez, de la caisse qui sont sur deux traverses de mon faux châssis. J'ai pas fait exprès. Et au milieu, j'ai une demi-traverse qui sert à pas grand-chose mais que j'ai laissée. Et j'ai une autre traverse du faux châssis de la caisse que je peux supprimer. Si je la supprime, franchement, c'est pas grave. Et là, je peux venir fixer deux rails, tout simplement deux U, les deux U qu'il y avait de l'escalier. Et dans ces rails, qui font 8 cm d'épaisseur, c'est pile poil ce que j'ai en place.
je viens rentrer mon échelle qui fait 6 cm d'épaisseur. Donc je viens la rentrer dans ce rail et en fait je sors le rail et je descends mon échelle. Exactement pareil qu'à l'arrière, sauf que ça sort sur le côté. Avantage, inconvénient. L'avantage c'est que ça va être bien plus facile à mettre en œuvre et à sortir. On n'aura pas besoin d'être deux parce que mon système que je voulais faire, il y avait une barre qui devait se télescoper comme ça pour pouvoir soutenir l'échelle. Ensuite on remettait la barre et ensuite l'échelle elle descendait. Là l'avantage c'est qu'on tire l'échelle, on la descend ou alors on la prend et on la rentre dedans et c'est bon. L'inconvénient c'est que j'aurai une toute petite plateforme. Elle sera assez large, elle fera 66 cm de large. Mais par contre, elle ne sera pas très profonde comme ça. Donc, ça suffira pour venir, pour ouvrir la porte. Et aussi, l'autre inconvénient, c'est qu'au lieu qu'elle s'ouvre sur le côté, elle va s'ouvrir là-bas. Donc, je vais prendre un petit peu de place. Mais comme on est assez haut, l'escalier, en fait, il va vraiment faire ça. Vous savez, il ne va pas descendre vachement loin comme ça. Donc, je gagne un peu de place aussi de ce côté-là. Et j'ai un autre avantage aussi, c'est que si je le mets ici, mon escalier va être plus haut. Si je faisais ma petite plateforme comme j'avais prévu au départ, j'avais une grosse marche à monter pour entrer dans la caisse. Alors que là, j'arrive quasiment, je dis bien quasiment au niveau du plancher de la caisse. Donc, ça sera bien plus facile à monter dans la caisse en fait. Voilà. Et j'ai pas besoin de raccourcir aussi l'escalier. Donc, il va rester comme il est, il va garder toute sa rigidité. Et je pense que je vais faire ça. Donc voilà, donc soit je peux l'attaquer quand il fera beau, tranquillement, peut-être dans la semaine. Voilà. Je vais vraiment utiliser mon temps intelligemment quand il fait pas beau. Qui pleut, voilà, qui fait un temps dégueulasse, et ben je vais venir travailler en intérieur. Et si vraiment je vois qu'il y a une belle après-midi qui se profile, et ben j'irai dehors, j'arrêterai ce que je suis en train de faire, j'irai dehors pour m'occuper de mon escalier, parce qu'une fois qu'il sera fini, ça sera un gros poids en moins. Et l'avantage, un gros avantage, c'est que mes deux coffres, j'aurai tout ce qu'il faut en pattes de fixation pour les fixer. Je serai vraiment libre pour fixer mes coffres. Donc ça sera deux coffres identiques ici et deux coffres identiques aussi à l'arrière. Comme ça, niveau construction, ça va être super simple et ils vont être pas mal. Ça va être des bons petits coffres et costauds surtout. Voilà, allez, c'est parti. On va attendre la livraison et puis on va déballer tout ça ensemble, voir ce que ça donne. Oh bah les livraisons, ça n'arrête pas aujourd'hui. Hein. On a reçu ça par la poste. Hein. La poste, du coup, on doit rester avec une distance de sécurité. Ils nous envoient un MMS sur le téléphone et on dit OK, reçu contre... Enfin, sans signature, voilà. Et là, j'ai reçu ça. C'est le support qui va me servir pour le treuil. Vous voyez ? Et lui, il va venir ici. Voilà, il va venir là. Donc, bon, on montrera ça gentiment plus tard. Qui c'est qui a été livré ? C'est nous. T'es content ? C'est tuyaux, tuyaux, pompe à eau. Voilà, là, il y a deux tuyaux. Tuyaux, ça, tuyaux, ça. Avec Cam. Content ? Et content, Jérémy ? Bon, et bien voilà, ça y est, c'est peint. La deuxième couche est mise. Et c'est pas très satiné en fait. Hein. J'avais pris satiné. Ah, si, ça brille un peu. Bah, de toute façon, satiné, c'est pas brillant, bien entendu. Mais je pensais que ça aurait brillé un peu plus. Il y a des micro-fissures un peu partout. C'est pareil, c'est étrange. Vous allez sûrement me dire ouais, c'est parce que t'as pas fait ça bien. Il fallait pas mettre de couche. Moi, j'ai vu que c'était sec, j'ai remis une couche. Bon, c'est la peinture. Ouais, il y a plein de micro-fissures. C'est bizarre, ça. Enfin bref, de toute façon, je pense qu'on va recouvrir. Là, c'était vraiment pour mettre un coup de blanc, pour que ce soit propre. Et là, ça y est, on a reçu les cuves d'eau, les tuyaux, les cuves d'eau usées, les raccords et tout. Je vais ramener une première. Bah, je vais ramener les deux cuves. On va voir ce que ça donne. Allez, je vais les chercher. C'est lourd. Allez, je ramène la deuxième. Oh, ça fait beaucoup de blanc tout ça. Le plancher blanc, les murs blancs, les réserves d'eau blanche, il y a tout qui est blanc. Bon ben voilà, je vais mettre un petit coup de propre là-dessus. Parce qu'ils sont un petit peu sales, donc c'est des réserves de 250 litres chacune. Et compartimentées.
Comme ça, on n'est pas embêté avec les normes. Voilà, alors donc normalement, elles y vont. Je vais les mettre comment? Normalement, elles y vont comme ça. Alors là, j'ai juste un petit souci avec les bouchons. C'est que si je les mets comme ça, le bouchon va se retrouver dans mon plancher et il va me gêner. Donc c'est-à-dire que lui, il faut que je le mette là-bas et l'autre, je le mets dans l'autre sens. Pour que mes bouchons se retrouvent dans mes coffres de... dans mes coffres de canapé. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et il me reste tout juste la place pour mettre mon petit coffre avec mes emplacements bouteilles de gaz là-bas. Je vais aller chercher une bouteille de gaz d'ailleurs pour voir si ça passe. Nickel, ça y va. Ça y va, impeccable. Donc là, j'ai une planche qui va venir et qui va fermer le coffret. Vous voyez, j'ai pas beaucoup de place. Hein. Mais normalement, c'est prévu pour. Voilà, il me reste encore... Là, il me faut juste 1 cm pour ma cloison. Et vous voyez, j'ai encore de la place. Voilà. Et pour les enlever, bah voilà. C'est pas mal au dos. Le problème avec des cuves comme ça, quand vous voulez faire une jonction, vous avez le fond de votre cuve qui est ici, vous allez mettre votre jonction ici, vous ne pouvez pas la mettre en bas parce que la cuve elle est un petit peu arrondie, c'est normal. Donc vous allez la mettre ici. Et ce qui fait que vous n'allez pas pouvoir capter tout l'eau qui est partout, qui est dans le fond. Donc ce que je vais faire, je vais les jumeler. Et ensuite, je vais mettre peut-être 2 tuyaux. Un tuyau qui vient ici pour pomper l'eau et un autre tuyau qui ira dans l'autre cuve pour pomper. Et je pourrais inverser en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me permettra d'enlever tout le poids mort qu'il y a dans les cuves. Voilà. Mais là, il n'y a pas le choix, il faut qu'elle reste comme ça. Il faut que les bouchons soient absolument dans les dinettes pour que je puisse y accéder librement. Parce que si je mets mon bouchon ici, là, je vais avoir mon plancher, ça va me gêner. Ça, c'est le plancher fini. Je touche? Enfin, je ne veux pas toucher parce que... comme je viens de peindre. Donc en fait, on montera sur le plancher, voilà. Hop. Et là, on pourra s'asseoir pour manger. Ici et ici, puis après on baissera et ça fera notre lit. Voilà. Bon alors, petit souci. C'est bien beau, Jérémy, de vouloir mettre les bouchons dans les canapés, mais je fais comment pour visser mes jonctions? Et ben, je peux pas. Alors là, je sais pas trop comment faire. J'ai plusieurs solutions. Dans tous les cas, je peux pas les faire si je me fais pas livrer du matériel. C'est où je mets une trappe ici, une trappe de visite là, et une trappe de visite là. Comme ça, je peux passer mes mains pour venir serrer mes raccords et puis contrôler plus tard s'il faut, ça serait pas plus mal parce que là, j'arrive pas à passer mon bras, puis bah là-bas encore moins. Et je peux trouver des trappes extra plates comme j'avais mis sur Captain. Ou alors, je mets un tuyau d'eau pour la cuve de droite, un tuyau d'eau pour la cuve de gauche, avec chacun leur évent et chacun du coup leur tuyau pour venir pomper l'eau, quoi. Et là, ça commence à faire un peu compliqué, vous voyez ce que je veux dire? Je pense que je vais commander des trappes. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, ouais. Là, j'ai un petit souci, j'y avais pas pensé. J'avais pas du tout pensé à ça. Bon, vous allez me dire, c'est pas forcément bien grave. Mais, ouais. Là, j'ai ma planche de bois qui arrive au ras, donc je peux pas me servir des raccords pour mettre des coudes. Et puis, de toute façon, avec les coudes, ça va me faire beaucoup trop de largeur. Donc ça, ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Ça va être gênant. Ouais, bah j'ai plus qu'à commander des couvercles. Bon, bah, je peux déjà commencer à construire mes meubles. Ce qu'il y a, c'est que normalement, je fais ça avec de la cornière perforée et j'ai oublié d'en acheter. Aha. Donc, comme j'ai de la planche dehors, de la planche marron qui est assez grosse, je vais couper plein de bandes dedans. Et ça va me faire des tasseaux. Et puis, je vais tout mettre avec des tasseaux pré-percés pour fixer ça là-dedans. Voilà, on va faire comme ça. Eh bien voilà, ça y est, on se retrouve ce matin là, il fait beau, ça change, hein, ça fait du bien. Regardez, on est en t-shirt et tout, Charlotte Débardeur. Salut.
Pourquoi? Si je suis en débardeur, c'est que forcément il fait chaud. On a bougé la table de jardin, Jean-Philippe. Je sais pas si on pouvait lui expliquer que ça se fait pas en béton, en fait, une table. Regardez, on la voit peut-être là-bas. Théo, il est en train de la brosser. Il a coulé en béton, avec un carrelage par-dessus. Des tomates. Oh, combien de tonnes? Au moins 3 tonnes. 8000 tonnes. Ah, je te jure. Au moins 8000. Oh là là là. Du coup, on a chauffé ce matin. Hein. J'avoue, là, c'était... Truc de dingue. Voilà, donc là, je vais vous faire voir la dinette. Vous imaginez la réserve d'eau en dessous. Là, on s'assied avec les jambes. Et il y aura le dossier qui va monter là-bas. Ça te plaît? Maintenant, il n'y a plus qu'à aller voir si ça va. Parce que j'ai repris mes codes 3 fois. Normalement, c'est bon. Bon, allez. Trêve de plaisanterie. On va voir si ça va. Attention. Verdict. Après tant de cotes, de mesures, ça va donner ça. Ça, c'est l'entrée. Vous rentrez par là. Vous allez vous asseoir. Et ensuite, ça se met en lit pour nous dormir. Donc le lit sera à ce niveau-là. Voilà, il y aura 10 cm de mousse. Et ça fait ça. Puis là-bas, je fais un meuble. Un petit meuble ici, même je le fais ici. Un petit meuble qui s'ouvre avec ma petite partie technique. Donc c'est-à-dire pompe à eau, tuyau d'eau, tout ça. Au-dessus, j'ai un grand meuble où je range ma grosse enceinte. Pour faire la teuf. Et là-bas, le coffret gaz étanche. Et ensuite, ici, on aura des gros meubles qu'on achète tout près. De 40, normalement tout est étudié, ça doit rentrer pile poil. Et ici c'est pareil, on a regardé dans les magasins de bricolage, les plans de travail en général ils font 60, 80 ou 75, et là on a fait une table de 75, comme ça elle descend, et on peut dormir peinard, la table elle va bien s'enquiller dedans, entre les banquettes. Normalement tout est calculé au millimètre près. Après à voir si ça va fonctionner, ça, je peux pas vous le garantir. Hein. Donc ici normalement je devais coller la planche. La planche devait être quasiment collée sur les réserves d'eau. Mais en fait, je pouvais pas tenir les réserves d'eau. Donc je vais visser, coller un tasseau tout le tour. Déjà pour éviter que les cuves elles bougent. Ensuite, il y aura tous les meubles qui vont être construits sur les cuves. Donc elles pourront pas se relever. Et une fois que tout sera fini, j'enlève ce panneau-là. Je lève les cuves, je les colle, je les remets, je peux vous dire qu'elles bougeront pas. Parce qu'on sait jamais, quand on va prendre des pentes comme ça, faut pas que les cuves bougent. Sinon, il fallait que je fasse passer des sangles à travers, tout ça, je dis, oh là là. J'ai dit, vu qu'il y a pas mal de pression, je vais mettre de la colle, on aura une résistance de fou. Par contre, faut pas avoir un problème avec les cuves derrière, quoi. Ça, mais bon, ça m'inquiète pas. Je continue à construire un peu tout ça, et on se retrouvera après, pour que vous puissiez un peu mieux visualiser tout ça, quoi. Hein? Allez, go! Et bien voilà la deuxième planche du plancher. Ouais, j'ai pas filmé beaucoup parce que j'étais hyper concentré, hyper pris dans mon boulot. Et j'ai dit de toute façon, voilà, j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir, à prendre des cotes, c'était pas trop intéressant à filmer. Voilà, donc je vous filme vraiment le principal. Alors, normalement, ça devrait fonctionner. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai mes coussins qui arrivent ici. Donc là, demain, je termine ma banquette. J'ai des tasseaux qui sont en train de coller. Je vais attendre que ça prenne jusqu'à demain. Et là, j'ai refait des ronds pour rajouter les couverts que j'ai commandés. Je reçois dans 5-6 jours. Donc j'aurai 2 couverts qui pourront me permettre de venir visser mes jonctions de jumelage. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc ensuite, ici, je vais remettre une deuxième planche. Je vais remettre une deuxième planche qui sera vissée. Et sur cette planche, il y aura le pied de table. Il y aura le pied de table qui sera au milieu, là où il y a de la force. Ok? J'enlève la table, le pied de table. En fait, j'enlève tout et j'aurai accès à mes deux bouchons, mais ça, je veux dire, c'est une fois tous les ans pour nettoyer, vous voyez ce que je veux dire? Je vais pas venir faire ça régulièrement. Et au moins, ça me cache mes deux ronds et ça me sert aussi de rigidité supplémentaire d'avoir une deuxième planche par-dessus. Voilà, voilà. Donc, bah, vous voyez, c'est costaud. Au milieu, j'ai pas encore mis de renfort, je les mettrai demain. Vous voyez, donc sur les côtés, c'est bon. Et de toute façon, comme là, on va créer des banquettes,
On va vraiment marcher que au milieu. Et comme je vous disais, il y aura une deuxième planche qui viendra renforcer. Et comme il y aura la banquette qui sera ici, elle va renforcer aussi pour éviter que le plancher il s'enfonce. Voilà. Sur ce, j'ai loupé la marche en fait. C'est pour ça que je suis essoufflé. Parce que je me suis fait mal. Connerie, putain. Tout ça pour sortir et faire genre je rentre et tout, vous m'avez pas vu quoi. Vous voyez ? C'est dangereux en fait ce métier-là, c'est dingue. Je pensais pas que c'était aussi dangereux. Aménager des camions et partager son vidéo. Voilà, donc on se retrouve samedi matin pour une nouvelle vidéo. J'espère que j'aurai fini toutes les banquettes et que j'aurai commencé à créer mes petits meubles. Bah voilà, il y en a un qui va s'arrêter ici. Enfin, le dossier va s'arrêter ici. Et ensuite, il y aura deux meubles. Il y aura un petit meuble ici. Un autre où on mettra le caisson, mais vous allez voir au fur et à mesure que ça va avancer, vous allez tout comprendre comment ça va être fait. Et je vais venir mettre des tasseaux un peu partout, mes renforts un peu partout, et voilà. Donc, vous voyez, j'ai fabriqué ces petits tasseaux-là. Comme les magasins sont fermés, ben, au final, ça m'a bien servi. Celui-là, c'est un que j'ai décollé. Donc, ça me fait des petits tasseaux en contreplaqué marin, et que j'ai récupéré du bois qu'il y avait avant dans le camion. Et franchement, c'est super costaud et ça fonctionne super bien. Donc, si je veux, je peux tout faire avec ça. Puis ben, là, j'ai de quoi faire, hein, parce que j'en ai pas mal des planches. C'est ça qui est cool. Au moins. Voilà, système un petit peu récup, les vis ça va, j'en avais assez, la colle j'en avais assez. Pour l'instant j'arrive à me débrouiller. J'ai reçu tous les feux de gabarit aussi, j'ai reçu pas mal de petites pièces et ça y est j'ai reçu les caméras de recul. Alors vous voyez, chose bizarre, j'ai dû payer le dédouanement, donc bah, c'est que ça vient de Chine, ça a dû arriver par avion. Donc il n'y a rien qui a gêné, j'ai reçu en deux semaines, je l'ai commandé il y a deux semaines et je l'ai reçu là, je l'ai reçu tout à l'heure quoi, par la poste. Donc vous voyez que les colis, même s'ils arrivent de Chine, ils ne sont pas bloqués. Hein. C'est quand même assez surprenant. Donc il y a les deux caméras de recul dedans, une pour moi et une pour vous, que je vous ferai gagner à la VAD. Voilà, au loto, tout simplement. Donc je suis super content. Deux caméras de recul en 1080p. Autant vous dire que c'est de la bonne cam, comme il y avait dans Captain. Et ça me fait plaisir de pouvoir vous en offrir une aussi. Voilà. Ça, on a travaillé avec l'entreprise Alloview. Voilà, mais je vous en parlerai prochainement dans une autre vidéo. Voilà, prenez soin de vous. J'espère que ça se passe bien pour vous. À tous ceux qui travaillent, encore une fois, bon courage. Et à samedi. Gros bisous, abonnez-vous sur Instagram, sur YouTube, mettez les petits pouces, tout ça, blablabla. Bla, bla, bla. Voilà, et bisous, à bientôt! Cette musique te rend pas fou. Ouais. Ça met la forme, ça motive. Hey, c'est une exclue, fais pas voir. Hein. Attention. Ça colle, ça visse, ça réfléchit, beaucoup réfléchit. Et ça avance plus doucement, mais ça avance. Avant, quand j'étais jeune, je mettais un casque, je m'endormais avec ça. Ouais, ça m'a baisé.